monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo sur la présentation des produits que j'ai commandé sur le site Bibicraft. Vous savez, mon amour pour les tampons clear, et en plus ils font des lots de plusieurs planches de tampons et franchement c'est super intéressant. Donc j'ai pris des deux lots de tampons clear. Donc dans les lots, il y en a 3, 6, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais c'est ça. Il y a 9 planches de tampons à chaque fois. Donc c'est emballé dans une petite pochette comme ça. Donc c'est une pochette comme ça, mais c'est super bien emballé. Tous les produits sont dans un grand papier bulle et chaque produit sont dans des pochettes comme ça zippées. Donc franchement c'est super cool. Et donc je vais vous montrer les petites pépites que j'ai sélectionnées. Bon, en tout cas j'espère que vous allez bien. Je regardais, je pensais que c'était mon fils parce que Mathéo est parti à son rendez-vous. Donc il a pris le bus et il revient en tram. Alors du coup j'arrêtais pas de lui envoyer des messages pour savoir si tout allait bien, si il a un doute, il demande au chauffeur de bus, enfin bref. Et là apparemment il est sur la route du retour, donc je pensais que c'était lui qui me prenait, mais non, pas encore. Alors j'ai fini à l'heure, mais franchement c'est toujours aussi intense. On est le jeudi 26 août. J'ai l'impression que la semaine est interminable, c'est une horreur. J'ai encore demain et ça va être pareil. Je suis allée à Action, donc j'ai fait celui du Havre et celui de Gonfreville. Il n'y avait pas les nouveaux d'ail, franchement il n'y avait pas de nouveautés. Même au niveau Noël, il y avait que les décos Noël, mais il n'y avait pas vraiment niveau scrap. Donc aujourd'hui j'ai fini le travail, je suis rentrée chez moi parce que j'avais pas mal de choses à faire. Enfin le train-train quoi, la vaisselle, le linge, etc. Mais je me pose, il est bientôt 17h. Mon chéri finit à 5h30. Et je profite pour vous tourner la vidéo maintenant. Alors je vous montre les produits niveau scrap. Pour l'instant, c'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Même mon chéri m'a dit bah essaye de scraper un petit peu en fin de journée. Mais franchement là je suis bloquée. Je suis fatiguée. Comme je suis assez fatiguée, j'ai l'inspiration là. Même si je vois les planches de tampons, j'ai quelques idées qui viennent. Pardon, je suis à mon deuxième café là. J'arrive pas à émerger, si on peut dire. Je blablate un petit peu quand même pour vous donner des nouvelles, puisque je vous ai pas filmé depuis la dernière fois où je vous avais montré les paper blocks. Et oui, les blocs à 90 ou 99 centimes, c'est les mêmes que l'année dernière. Je m'en serais douté, hein, mais voilà, quand j'ai vu les nouveaux sur le site, ouais, ils sont juste terribles en plus, mais on verra bien, hein. Je pense que j'y retournerai. J'ai ma copine qui va demain matin. Et donc, en fonction de ce qu'elle me dira, moi j'irai dès que je sors du travail. Et puis sinon, on verra. Peut-être la semaine prochaine. On verra bien. Donc, je vais vous montrer les petites pépites que j'ai prises. Alors, tout d'abord, on a ces petits embellissements sur le thème marin qui sont trop trop beaux. Je vais essayer de les ouvrir. Alors, je vais ouvrir les produits et je vais vous montrer en détail. Ça sera peut-être mieux. Ils sont vraiment magnifiques. On a des encres. On a des bateaux. Je vous bascule. Donc voilà les petites merveilles. Donc ce sont
comme des boutons, mais ce qui est super, c'est que c'est adhésif. Vous avez juste enlevé l'opercule, vous posez, c'est collé, donc c'est génial. Vous voyez les motifs, franchement, c'est trop trop beau sur le thème marin comme ça. Magnifique. Je vais peut-être rester comme ça sera peut-être plus simple pour vous montrer les produits. Alors, je vais mettre ça là. Donc, je vous fais la revue des produits et les créations viendront. Peut-être ce week-end, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Ensuite, j'ai sélectionné, donc c'était un lot de 4 dyes. Et ils sont trop trop beaux. Donc comme d'habitude, je vous montre les produits et juste après, je vous montre les découpes. Donc là, on a un cercle avec différents feuillages. Franchement, c'est magnifique. Donc ça, sur une carte, ça peut être super. Ensuite, on a celui-ci. Donc pareil, avec des feuillages et des fleurs. On a celui-ci. Et celui-ci. Donc ça, c'était un lot de 4 dyes. Ensuite, la première série de tampons cuir. Donc j'ai 2 fois 9 tampons, enfin 9 planches de tampons, ça me fait 18 planches. Franchement, j'adore. Donc on a dans un premier lot celui-ci sur le thème de la mer. Franchement, ils sont trop choupis. Regardez celui-ci. Ben, ils sont trop trop beaux. La petite tortue comme ça. Franchement, hâte d'être moins fatiguée pour pouvoir faire plein de créations. On a celui-ci sur le thème des animaux. Donc pareil, ils sont trop trop beaux. Celle-ci aussi est trop sympa avec le petit mouton, forcément. Les papillons. On a celui-ci sur le thème des pingouins. Pareil, je la trouve trop rigolote, cette planche-là. Les dinosaures. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc c'est sur... je vous ai même pas dit le site. Je ne sais même plus. C'est le site Bibicraft. Donc je vous remettrai mon code promo pareil juste en dessous et en barre d'infos. Elle est trop chouette celle-là. Ensuite, les animaux. Donc ça c'est plus enfantin. Franchement, leurs planches, elles sont terribles. J'aime beaucoup. On a celle-ci avec forcément le petit hibou. Elle est trop canon aussi, celle-là. Et la dernière sur les oiseaux. Voilà, trop trop belle également. Donc il me semble que c'est ça, hein. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça, il y en a 9.
Donc ça c'est un lot complet. Ensuite, l'autre lot de 9 planches. Alors, on a celle-ci, donc c'est, ce sont des bonhommes de neige, donc là vous l'avez. Et ensuite, on a plein de petits tampons pour créer votre propre bonhomme de neige. Donc ça, je trouve ça plutôt génial comme, comme tampon. Donc là, vous pouvez créer votre, votre propre bonhomme de neige. Donc c'est plutôt cool. Hop, on a celle-ci, pareil, sur le thème de Noël. Ensuite, celle-ci, donc c'est plein de tout petits tampons. Je pense que c'est plus pour genre du project live, enfin non pas du project live mais bullet journal, mais dans le scrap ça peut être facilement utilisable. Là vous avez le ballon, la glace, l'avion, le vélo, franchement trop belle. On a celle-ci, donc encore les petits animaux. Donc là, c'est plus sur le thème des abeilles. Donc elle est trop cute, celle-là aussi. On a celle-ci. Sur le thème des cactus. Les petits insectes. Le thème anniversaire. Et la dernière, c'est sur les petits lutins. Elle est trop choupie celle-là. Enfin, les gnomes. Ils en avaient fait ça action l'année dernière. Pareil, c'était sur le thème de Noël. Donc voilà, oui je sais, je suis sur ma plaque électrique, mais au moins pour vous montrer correctement, c'est beaucoup plus simple. Je vous montre là tout de suite le rendu des dies. Donc je vous montre comme promis le rendu des dies, franchement, bah rien à dire. Je suis pas déçue du tout, regardez-moi ce rendu. C'est magnifique. Alors au niveau de la découpe, j'ai fait juste un aller-retour avec ma machine et franchement nickel, ça se découpe super bien. Donc là c'est le deuxième, regardez-moi, trop beau. Celui-là également. Il rend vraiment trop bien. Et le dernier. Ah, il est trop beau. Donc voilà pour la découpe de ces dies. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'aller voir les produits sur le site Bibicraft. Moi en tout cas, j'adore comme d'habitude. Hâte de pouvoir faire des petites merveilles avec ces produits. Quoi vous dire d'autre avant de vous quitter Donc j'espère que pour vous, tout va bien.
Je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !